Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ici pour l'instant, participer au festival, c'est ce qu'on devait faire. Allons-y, hein. Je vais juste faire un truc dans le garage, vu que j'ai pas réussi pour l'instant à vendre mes voitures. Donc par exemple, on peut voir qu'il y a une voiture qui s'est vendue. Non, aucune ne s'est vendue. Donc on n'a pas eu de chance, hein, parce qu'on les a vendues un peu trop cher, hein, pour être vraiment franc. Donc celle-là, c'est pas vendu. Non vendu. Fais une réclamation. Ah, attends, on va baisser un peu les trucs, hein, tu sais quoi. On va récupérer la voiture. D'accord, donc après on la reprend la voiture. Ça fonctionne comme ça. Donc les voitures que tu vends pas. Alors mes enchères, mes ventes. Aucune pour l'instant qui se vend. Non vendu. C'est quand même des vicieux, hein, les gens. Ils veulent pas acheter mes voitures, hein, parce qu'elles sont trop chères. Hein. Allez, redonne-les-moi. C'est qu'on va les revendre un peu à des prix plutôt modestes. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi les enchères sont aussi intéressantes, parce que tout le monde s'en fout de ta voiture. Elles peuvent rester indéfiniment dedans. Vous avez vu, franchement, ces petits malins quand même. Donc allez, redonne-moi la voiture. Donc, comment on va procéder maintenant? Ça va être simple, hein. Je vais baisser un peu le prix. Attends. Ça va, j'ai quand même un peu d'argent. Démarrer une vente. Donc, les voitures qu'on a en doublon, c'était bien, c'est là. Tiens, c'est nouveau, tiens. Donc, elle vaut 200 machin, je vais la vendre à 150. Allez, tu sais quoi, tant pis, hein. Vente la voiture. Ouais, vas-y, hein. On va mettre 40 000, 50, ça paraît logique. Mais même un peu plus, tu sais quoi, je m'en fous. Non, vas-y, 1 heure. On va pas s'embêter, de toute façon, comme ça j'ai le temps de voir en fait. Vu que je joue en permanence, ça me permettra de rectifier le tir au cas où. Voilà, ça y est, elle était mise en vente. C'est à quelle qu'on avait vendu aussi il y a quelques temps? Je me souviens même plus, je te jure, je commence à perdre la tête. Ah oui, on avait exactement deux modèles similaires. Donc elle vaut 255. Vendre la voiture. 255, ça va quand même. Ça reste quand même des Ferrari, il faut leur dire. Eh oh, ouais. Moi je suis assez radin. Sinon je la mets à 10 balles hein, si ça continue, je te jure. Je vais mettre une Ferrari à 5 balles. Elle va partir en un coup celle-là, tu vas voir. Je regarde vite fait ce qu'on a encore en doublon. C'est vrai qu'on a la Lamborghini aussi à vendre. Elle vaut combien la Lamborghini? Ok. Donc, vendre la voiture, on la fait partir à 400. Je regarde rapidement. 200. Elle partira pas. Hein. Ah, je m'amuserai plusieurs fois à rectifier ça dans la journée. Hein. C'est obligé qu'il y en a un, moins un qui va craquer hein, dans le lot. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux refourguer encore que je me servirai jamais? Je regarde rapidement. Ah oui, c'est vrai, on a la deuxième, la même. Attends, le truc de la NASA, on a cette voiture. Ah, ok, je veux lui vendre celle-là. C'est quoi la valeur? 150. Vendre la voiture. Et on se fout de moi, il a dit, mais le mec, il est vend beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Allez, celle-là, on la baisse complètement. Tu sais quoi, on la fait passer à 20, 30. C'est bien équilibré quand même, mes ventes, moi. Elles sont bizarres, hein? Mes ventes, elles sont complètement bizarres, je te jure. Ok, parfait. Maintenant, je vais juste jeter un coup d'œil sur les meilleures offres. J'ai un petit peu d'argent, donc pourquoi pas en profiter. Gâteau terminé, pep, hein. Tu vas pas la remporter ta voiture, toi? C'est une quoi, ça? Je sais pas, je vais lire ça après. Échec, ça veut dire qu'il a déjà remporté. Ouais, bah tant mieux pour lui, hein. Ah, c'est les mêmes qu'il a mis à vendre. 65, bientôt terminé. Mais bientôt terminé, ça veut dire que c'est trop tard dès que t'arrives en fait, hein. Tu vois, je pense pas que je pourrais lancer. Ouais, tu vois, c'est trop tard. En fait, faut qu'il y ait marqué 1 minute. Pour pouvoir limite se servir dedans. C'est quoi cette voiture, la Nissan? Je l'ai pas celle-là, la Nissan encore. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur.
Non, tu vois, c'est trop tard aussi, ça. C'est pas grave. Donc, regardons un petit peu avec les autres caisses. Hey, elles tombent beaucoup, la R8, hein. Waouh, ils les vendent beaucoup moins cher que moi, hein. Donc ça, c'est une Lamborghini aussi. Mais tout le monde veut se débarrasser de cette caisse, hein. Personne n'en veut, ces voitures. Personne n'en veut. Je te jure, hein. Tout le monde s'en fout. Bon, celle-là, je la prends à 60 000 si j'ai la possibilité. Non, tu vois, c'est-à-dire que je peux pas. C'est encore trop tard. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Ah ouais, elle est rigolo. Non, non, je peux pas. C'est quoi, je vais juste me faire une petite farce sur une voiture. Je sais pas, moi, je vais prendre par exemple. Je sais pas, c'est laquelle, là, moi, la. C'est laquelle que j'ai. Qui me servira jamais à rien. C'est là. Je vais la faire partir à 1000. Ah non, je peux pas avoir un truc inférieur. Voilà. On le fait partir à la moitié prix. Ok, donc tu peux pas descendre un euro. Je l'aurais foutu un dollar. Je te jure la caisse. On aurait vu le temps que ça prendrait. Ouais, donc c'est minimum moitié prix. Oh, laisse tomber celle-là. Ça va, on a quand même une bonne collection, je trouve, hein. Bon, elle s'agrandira au fur et à mesure. Allez, on y va maintenant. On va remporter les championnats pour Salut pouvoir. championne, j'ai repéré une recrue potentielle pour ta sélection. Ravi de vous revoir, champion. Il se déplace, donc je n'ai pas sa position exacte. Il est quelque part dans le coin. D'accord, si tu veux. Donc il y a encore d'autres championnats ou pas à faire? Ouais, si. Il y en a un Bien. là. Il y a une rumeur à propos d'un trésor de grange que nous n'avons pas encore examiné. Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller? Non, merci, Anna. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Non, c'est bien parce que là, j'aurai la possibilité vite de récupérer un. Mais vous avez la vente aux enchères, c'est. Ah oh, putain, à chaque fois je confonds avec les murs. La vente aux enchères, c'est vraiment pas mal, hein. Mais les mecs, ils vendent vraiment tout à moitié prix parce qu'il y a beaucoup de doublons, ce que je peux voir en fait dans le jeu. Finalement, c'est pas exceptionnel de tomber sur les voitures que j'ai depuis le début. Bon, pas toutes, hein. Parce qu'il y a des voitures qu'on voit jamais dans les ventes aux enchères, mais. Certaines voitures, par exemple, comme la Audi, etc., elle a l'air de tomber assez fréquemment. Au rond-point, prenez la première sortie. À 400 mètres, vous arriverez à destination. On va freiner complètement. Vous avez atteint votre destination. Championnat, c'est parti. C'est quoi ça? Encore un petit truc comme ça? Il va encore me demander d'acheter une Le voiture. championnat Barnfinds. Vider les granges n'a jamais été aussi cool. Ok, je dois encore acheter une voiture. Eh ben putain. Eh ben. C'est quoi cette voiture? Je crois que je vais les chier d'où les voitures. C'est des ouf, c'est des ouf. Allez, vas-y, rendors-toi avec ta voiture. C'est des malades. Ce sont des malades quand même, hein. Ce sont des malades. Faites demi-tour dès que possible. Ils croient que je vais me payer une voiture à 1 000 000 juste pour faire l'épreuve. De toute façon, je suis sûr. C'est quoi? Je vais même arrêter de vendre mes voitures parce que je vous assure, j'ai l'impression, hein, de vous à moi, qu'il va y avoir. Faudrait qu'on tourne avec toutes les voitures pour finir le jeu. Parce que là, je vous fais pas juste vite fait quelques épisodes, hein. Je vous fais vraiment tout, mais pour moi, sincèrement, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment qu'on termine le jeu avec toutes les voitures du jeu. Donc, si je commence à tout dispatcher, à part les doublons que je vais revendre, mais après certaines qui sont un peu moins puissantes que puissantes. J'y vais les laisser finalement dans mon garage, dormir tranquillement. Bah c'est vrai, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit avec eux, hein. Par contre, c'est dommage qu'on n'a pas le même mode VIP, parce que si je gagnais une voiture sur le VIP sur Forza Horizon 2, par exemple la voiture elle avait une valeur de 1 million, bah je touchais 1 million en cash aussi, également. Que là en fait, il n'y a plus rien. Donc je trouve le VIP sur celui-là, il est bidon. C'est 20 balles en fait pour la poubelle en fait, hein. C'est pas terrible. Je suis un peu déçu parce qu'ils auraient dû le mettre peut-être un petit peu moins cher, mais je trouve 20 euros pour ce que c'est, juste pour utiliser de temps en temps la roulette, c'est vraiment pas donné, hein. Ouais, c'est vraiment pas donné. Vous avez atteint votre destination. Je sais pas pourquoi ils nous remettent ces championnats dans ce cas-là. Donc, tu sais quoi, je le fais ici aussi, hein. S'il y a un truc à faire, je. Le fait. Voilà, c'est pas grave. Donc j'ai ce véhicule là. Je peux en acheter d'autres vite fait pour voir qu'est-ce qu'il me propose.
On aura l'occasion un petit peu de jeter un coup d'œil. D'accord, donc c'est des voitures tout-terrain qu'on a déjà. C'est bien déjà. Donc je vais conserver celui que j'ai. La Jeep noire. Et c'est parti. Putain, c'est un jeu, mais je pensais pas qu'il y avait autant de trucs à faire. Bon, si, je m'en doutais, mais... là, on est qu'à 10% du jeu. Hein. J'ai déjà plus de 15 heures dessus. Hein. Dis, on va le terminer en 200 heures, ce jeu-là. C'est pas grave, hein. Moi je prends toujours du plaisir et vous aussi. Hein. Après, faut pas vous précipiter à regarder les derniers épisodes que je sens. Vous avez la playlist, donc vous avez le choix en fait de regarder ce que vous avez envie. Bien évidemment, il y a une chronologie à suivre. Hein. Si vous passez de l'épisode 1 après l'épisode 15, bah, vous aurez loupé tout le truc parce que c'est l'aventure en fait qu'on vit ensemble. Hein. Parce que ça, c'est ce que je vois en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent toujours au dernier épisode, mais je vois pas, ça sert à quoi en fait. C'est pas... On a le temps, hein. On peut regarder les épisodes comme ça de Forza sur une année, voire deux. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ça disparaîtra pas. Hein. Oh lolo lolo. Ah, il s'est barré, il s'est cassé un peu la gueule l'autre. Ok, faut que je rattrape le premier qui est déjà bien avancé. Laisse tomber, faut pas du tout toucher. C'est super tendu en fait, hein, ce tour. Oh, il y en a trois. Mamma mia, la merda, ça va être chaud. Je maîtrise pas du tout ce genre de terrain. J'ai failli te cogner l'arbre, hein. Je sais pas si vous avez aperçu. Ah, c'est dur de les dépasser là. Bon, faudra qu'on se concentre un peu plus. J'ai pas une voiture très puissante aussi. Hein. Voilà, voilà, tu vois, tu veux passer, tu veux te frayer un chemin et voilà l'emmerdeur. Ok. Faisons un petit peu de safari là-bas. Ah, j'ai du mal à les dépasser là. Pourtant, je suis à fond depuis tout à l'heure. Enfin. Surtout pas passer comme j'ai fait tout à l'heure sur le côté gauche là-bas. La première voiture, je pense que ça va être... il y aura possibilité de les dépasser au dernier moment. C'est horrible, c'est horrible. Putain, il me manquera en fait limite presque un tour pour les dépasser. Ah, le premier, l'avance que t'as, franchement, je suis jaloux de ton succès. Aïe, 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 ça secoue. Ah, c'est désespérant. Désespérant. Moi qui voulais pas rebobiner. Donc ça tourne là-bas. Oui, le premier il se cache jamais la gueule. Hein. Il est toujours parfait lui. Hein. Le petit vicieux. Non. Ah putain, légèrement. Regardez comment j'ai tapé légèrement. Donc faudrait. C'est lui qui me gêne en fait. Il me pousse indirectement sans le vouloir là-bas. Ah, je vais jamais avoir la première place. Enfoiré de premier. Putain, ça va se jouer. Mais de justesse, c'est ouf. Ah non, je suis pas d'accord. C'est où qu'il a grugé? Je crois que c'était là qu'il a commencé à me gruger. Non, je suis toujours pas d'accord. J'ai jamais perdu une seule course, il va pas commencer à m'emmerder lui. C'est où que j'ai fait une erreur technique? Voilà, ça va être là. C'est quand même de la tricherie ce truc là, hein, ce rembobinage. Hein. Je l'avoue. Mais ça m'a sauvé quand même les fesses. Mais il était plus vicieux. Pourtant, j'utilise jamais ce truc là, mais bon. J'avais pas envie de perdre, je te jure, je n'avais pas envie là. Bon, tu me dis, on aurait pu finir deuxième, mais bon. Pour l'instant, on a envie d'avoir les podiums à chaque fois, quoi. Oh, tiens, on va la gagner, regarde, la Viper.
Qu'est-ce que c'est pourri ce truc là? Donc les fans, on en a gagné 100 000. Bon, les prochaines courses sont où? Donc ça c'est l'autre catégorie là. Qu'on n'aura pas. Franchement je me perturbe tout seul là parce que je sais pas du tout où c'est où. Pour moi ça doit être en face là-bas. Hein. Vous en pensez quoi? De toute façon, moi, le championnat, faut qu'il soit gris comme l'autre, là, sur le côté, pour être tranquille. Attends, c'est quoi, ça? Restez à gauche. Ah, j'ai compris pourquoi on avait plus de Lamborghini avant, parce que ça dépend de la voiture que tu as actuellement dans les mains. Par exemple, si je joue avec ce genre de petits trucs, bah, je vais beaucoup rencontrer les mêmes véhicules. C'est pas qu'il y en a plus, en fait. Finalement, c'est ils équilibrent en fonction avec ce que tu joues. Ah, c'est pas donné le tout terrain. À 400 mètres, tournez à gauche. Un radar ou pas? Tournez à gauche. On a récolté combien de fans? Allez, 10 000. Ah, ouais, putain. Ah, les fans, tu les rafles bien en fait avec les radars. Hein. C'est ouf hein, quand même, hein, tout ce qu'on voit, tout ce que ça rapporte. Hein. T'es bientôt arrivé. C'est bien, ça permet de découvrir des nouvelles routes aussi. Vous avez atteint votre destination. Putain, c'est chaud. Donc laisse tomber le rival, c'est pas la peine. C'est quoi là-bas? Ça va être un radar ou autre chose, non? C'est quoi ce truc? Merde. Ah, ça c'est un saut d'obstacle. Eh ouais, mais tu passes comment là-bas? C'est un saut d'obstacle. Je vais juste jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il faut? Combien de mètres? Je suis même pas sûr qu'on pourrait y aller, mais bon, essayons quand même. Hein. Voilà, je vais tourner à partir de là. Je pense qu'avec une Veyron, tu t'envoles directement comme il faut, comme il se doit. Comment il me fout les boules le jeu? Il me fout les boules! Arrête tes conneries! En fait, ils veulent qu'on part à partir de là. Ah, il y a une pancarte. C'est combien? C'est une 8... Non, 5. Ok, donc c'est parti. Ouais, il n'y a que comme ça qu'ils veulent qu'on fasse le truc, à mon avis. Ah, c'est pas remporté. Oh la merde. Je peux faire de... Non, tu peux pas. Attends. C'est bien parce que je peux... Attends, c'est le saut qui m'a complètement niqué. Merde, j'ai tapé encore le mur. Comme un gros con. Ok, bon bah là, on la recommence. C'est fou en fait, hein, comment tu peux légèrement te foirer. Non, je l'aurais pas. 18 mètres, 3 étoiles ou pas? Je sais pas, je regarde. Ouais, mais bon, pour ça, il faut que j'ai une meilleure voiture. C'est pas avec ça que je vais aller. Oh, je suis trop bien classé. Oh, c'est trop bien. Bon, vas-y, j'arrête. Bon, on va où maintenant? Donc là il me dit nouveau, mais je peux rien faire là. Ça c'est pareil. Un radar. Ah, les trois nouveaux tu peux te les garder sincèrement. Donc là on est au niveau 5 encore.
C'est des lieux non découverts, les dérapages, tous les fans que tu gagnes. Donc là, il y a encore d'autres épreuves ici aussi qui nous attendent. Hein. Ah, difficile, attention. Ok, donc je vais peut-être faire un tour sur cette épreuve-là, la nouvelle. Hein. C'est quoi, on va pas s'embêter. Je suis juste à côté, c'est pour ça que je vais en profiter. Oh là 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 là, le bug. Oh, les textures sont très mal soignées là. À 200 mètres, tournez à gauche. Parce que l'ordinateur il s'affole complètement ici. À 200 mètres, tournez à gauche. T'as vu le radar? Une étoile, hein, ça fait peur. Alors, est-ce que j'ai débloqué des trucs de progression? On va être curieux. Un seul, c'est pas nécessaire. Il faut bien plus. Je pense qu'après, dès qu'on aura plus de possibilités de déblocage, là, on va gagner 10 fois plus de points. Il faut que je débloque tous les trucs qui doublent le score, là, la prochaine fois. Ok, c'est bon. Quoi, je vais défier la voiture devant. Peut-être que ça m'emmènera sur le bon chemin. Ouais, ça va, c'est pas trop loin là où je me rends en plus. Ça permet, on va dire, d'avoir un peu de compagnie, quoi, tu me diras. Non mais il y a un truc qui devient fou là, c'est qu'il pour continuer le championnat, il y a des voitures à million quoi quand même. Hein. Ah faut y aller hein. C'est ça qui va être beaucoup plus dur hein, d'obtenir autant suffisamment d'argent pour pouvoir se payer ce genre de choses. Hein. C'est pour ça qu'il faut, que manger constamment des courses, des épreuves et tout. Hein. Course en face à face pour gagner encore des trucs de rue. De toute façon, les face à face, faut qu'on en fasse à mon avis une centaine pour pouvoir récolter peut-être une voiture ultime. Ça m'étonnerait pas qu'ils mettent un truc comme ça. T'imagines, ils te mettent 1000 face à face. Je craque. Ah, fallait qu'on tourne en fait, c'est pour ça que ça on n'a pas réussi. Fallait passer par là. On dit ça va le safari? Ouais, tranquille, t'inquiète. On a une pancarte que je vais essayer de percuter tout de suite. Hein. À 400 mètres, tournez à gauche. Hello la pancarte. Je crois que je la vois pas. Ah merde, je suis en train de regarder la grange. Ah, ok. La grange. Elle est là. La pancarte, je la vois, ça y est. C'était quoi? C'était pas grand chose, hein. D'accord, donc c'est bon là pour moi. Je vais speeder un peu plus. J'ai évité justement de m'éloigner cette fois-ci. Ah, l'inspiration marche pas avec eux. Pour casser des pancartes pour être tranquille là. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Merde! Oh, il a foiré mon multiplicateur. Oh merde. J'avais pas fait attention qu'il y avait une voiture juste ici. Oh, c'est pas grave, tu me diras. C'est juste dommage. À 400 mètres,
Tu vois, tu vas vraiment traverser tout ça, toi? Là, je suis pas sûr qu'on peut traverser, justement, autant de flottes. T'es sûr? Ah si, quand même, on peut. Hein. Là, tu te fais bouffer par un croco, je rigole. Ah, par contre, je pourrais pas repartir là-haut. Si, si, on peut. Allez, c'est parti, on va inaugurer ce nouveau festival. Tiens, 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 c'est vide ici, hein, pour l'instant. Nouveau site. Construire. Et voilà, horizon Yara Valley. Des paysages vallonnés, des champs verdoyants, des forêts luxuriantes. Je savais que l'Australie était jolie, mais ça devient indécent. C'est bien ça. Ce festival Horizon ne cesse de prendre de l'ampleur, pas vrai? Il va te falloir une nouvelle voiture pour te déplacer. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Donc ils les offrent tous. Moi je vais prendre la plus chère. Franchement, je prends la voiture la plus chère. Je m'en fous complètement. C'est celle-là la plus chère. C'est la Lamborghini, machin. Bon, on l'a déjà, celle-là. Attends, on en a déjà plein, en fait, de ce genre de Lamborghini. Je suis pas sûr qu'on l'a déjà, celle-là. Vous en pensez quoi? On l'a, celle-là, ou pas? La LP... ouais, elle me dit quelque chose, moi, celle-là. Je sais plus c'est laquelle qu'on a. Merde. En plus, il m'indique pas, quoi. Celle-là, on l'a pas. Celle-là, on l'a. Celle-là, on l'a aussi, je crois. Bon, allez, tu sais quoi? Je m'en fous. Je prends la plus chère. Après, on la revendra au pire, hein. Pas un problème, ça. Je crois que je l'ai déjà, celle-là. Ah, pas mal avec l'aileron derrière. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Ouais, je vais prendre avec l'aileron. C'est celle-là que je dirais qui est plutôt pas mal. J'en avais une qui était encore mieux tout à l'heure, là. Attends. Celle-là même, en fait. Mais elle est pas populaire, celle-là. Hein. C'est juste le bas qui est pourri. Déjà, c'est pareil, hein. J'ai pris la même. Bon, on a une nouvelle voiture. Donc, elle est gratuite, celle-là. C'est pour ça qu'ils essaient de la refourguer, en fait, aux enchères. Les petits vicieux, vous avez vu? Mais je crois qu'on l'a déjà, celle-là, je suis pas trop certain. Hein. La vache, tout ce qu'on aura comme véhicule. Garage à 10 milliards de dollars. Donc, les pneus. Faut que je vérifie un truc. Ah, tu vois l'adhérence. Merde, pourquoi ça bug comme ça? Regardez comment ça bug. Je vais prendre ces pneus-là. Suspension. Tenue de route. Accélération. Donc là, on va laisser ça comme ça. Attends, je vais essayer de voir au niveau des autres trucs. Ah non, c'est tout. Donc, installer ce réglage. Pour l'instant, je laisse un petit réglage basique. Hein. Je crois que je vais le mettre en auto comme un gros con. Attends. Parce que j'ai rien changé en fait d'extraordinaire. Ouais, sélectionner. Donc allez, c'est pas grave. Amélioration. C'est quoi, je vais la mettre en auto. D'habitude, je m'amusais comme ça, mais là, ça a l'air de bien bugger quand même. Hein. S2. Ça va me demander 30 000 ce truc-là minimum, ou même à 40 000 pour améliorer la voiture. 45 000. Pff, je suis pas riche, moi. Hein. On regardera ça plus tard. Hein. Je la laisse comme ça. Type de carrosserie prédéfinie. Changer d'amélioration. Ok, voilà. Putain, il faut vraiment passer sa vie après à... vadrouiller. C'est où mes voitures là? On va voir. Donc j'ai c'est là comme Ferrari, comme Lamborghini. Sur les Lamborghini les autres. Je l'avais. C'est exactement la même. Et on a même encore une en vente. Putain, j'en ai trois pareils. Oh non, trois pareils. Voilà pourquoi tout le monde les vend ceux-là. Tu vois? Ouais, c'est la 704 à la fin. Attends, je regarde. Merde. Ouais?
C'est celle-là. Oh, putain, 750. Ah non, j'en ai une plus puissante de l'autre côté. Non, j'ai pas la même en fait. Ça se joue un poil près quoi, attends. Ah mais les modèles, putain, faut les connaître après, hein, sur le bout des doigts. Dommage qu'on peut pas comparer. Non, non, tu vois, ça c'est la version plus récente, celle que j'ai achetée. C'est la 2000 machin, et ça c'est la 2012. Ok, bon bah en tout cas on a pu voir un petit peu les trucs, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore découvert? Allez, je m'en vais d'ici, parce que sinon je vais encore craquer, je vais acheter la moitié J'ai du mis ta truc. carte à jour avec les premières trouvailles des éclaireurs. Ça s'annonce prometteur. Oh, le circuit il est quand même dingue, hein. C'est quoi tout ça en fait ici qu'on débloque? De l'intérieur, ça donne ça. À 200 mètres, tournez à droite. Le compteur, il est joli, hein. Tournez à droite. Ok. Donc on va voir, ça va être quoi après, là-bas. Vous avez atteint votre destination. D'accord, donc ça va être quoi? C'est l'exhibition, ok, on va s'amuser après avec ça dans le prochain épisode, qu'est-ce que vous en dites, hein? Donc, c'est quoi la balle bio non découvert? Ça va être un radar. On parie? Non, un autre circuit. Ok, donc là il y aura pas mal d'épreuves, donc je regarde un petit peu, je vais dézoomer. Plus tard, on aura combien de trésors à récupérer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vive le bordel. Dommage qu'on peut pas aller un peu au-delà là-bas. Ouais. Donc là, il est au niveau commun le premier. Il faudra qu'on termine tout. Pour l'instant, le plus avancé, c'est celui-là. Mais regardez le bordel que c'est. Faudra qu'on termine toutes les épreuves. On en a combien d'épreuves, juste par curiosité? Progression. Non, c'est un peu plus haut body. Progression. Là, on est à 30% dans le jeu. Nombre de courses. Véhicule dans le garage 32. C'est où tu vois ça? Attends. Ah non, c'est là. Campagne. On en a gagné des championnats 6 sur 63. Exhibition terminée 25. Ok, les ordures. Course de rue rejoint. Course de rue remportée, ça c'est les grosses. Donc il y en a 16 en fait au final, tu vois. Donc c'est ce que j'avais raison. Nocturne. Duel nocturne remporté. Ah, il y en a 4. Que 4. Ok. Nombre de drive avatar sélectionné 4. Ok, bon bah, je saurai quoi faire pour les prochains trucs, hein. Je regarde rapidement, ça c'est les prouesses, la découverte, et tout le tralala quoi qui nous reste, hein. Ça va être du lourd. Allez, je vous embrasse, et je vous dis à tout à l'heure pour la suite.